Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport, Dom Gane Ndiaye, Warul T, Warul Ragal, gis nañ né Sénégal, Guinée-Bissau, ñuy wadjal match bi, Aliou Cissé muy wadjal lissam, mu ngoy toggu, donc nduguna, peut-être nduguna paré, muy wadja ñuru, donc ñan jour la wara wo face à la Guinée-Bissau. En tout cas, il y a des binationaux qui tapent à la porte, donc Lys Moussé wax nañ ko Boulaye Dia, aussi il a de fortes chances d'entraîner sa première sélection, mais amna joueur yo xamné binationaux lañ, mais kenn xamul, donc leur sort. En tout cas, motax ñu poser la question, est-ce Aliou Cissé aurait convaincu Bouna Sarr ou bien même donc Mala Sarr, parce que dama dit sama commentaire ñu bari nan Bouna Sarr doit être appelé, Bouna Sarr doit être appelé, mais c'est Aliou Cissé a mis Bouna Sarr dans ses plans, parce que Aliou Cissé néna mom il veut que les binationaux se montrent, binationaux yi def déclaration né man bëgg na ñëw équipe nationale du Sénégal, montrer ben volonté ben bëgg ñëw équipe nationale du Sénégal avant mu leen di convoquer. Mala Sarr, Aliou Cissé l'avait démarché, mu né mom day xaar, mais gis nañ né vraiment Mala Sarr c'est le joueur idéal actuellement au poste de latéral gauche, parce que il peut jouer axe central, mais Koulibaly blessé, il peut jouer axe central, donc de même que Mohamed Nabi Sarr, mais Mala Sarr il peut jouer latéral gauche, c'est ça le plus. Donc Mala Sarr beaucoup Sénégal amone vraiment, ça serait exceptionnel. Est-ce que Aliou Cissé démarche nako en coulisses, quel xamul, mais il peut y avoir des surprises au niveau de la liste, parce que Koulibaly est blessé, ça Sarr donc ne sera pas sur la liste. Donc côté défense, il peut y avoir des surprises, Sabali revient de blessure, donc peut-être sa doublure pourrait être un nouveau joueur, même si donc Aliou Cissé n'est pas du genre donc à changer ses plans. Aliou Cissé il est toujours constant, même chose sur le flanc droit. Moussa Wagué il a repris la compétition, bien passé, donc Johan une passe décisive face à Bordeaux, une belle passe, un beau centre pour Adam Onas. Donc Moussa Wagué commence à grignoter, peut-être ça sera en sa faveur pour une nouvelle convocation en équipe nationale du Sénégal. Donc Lamine Gassama c'est le titulaire, c'est l'homme fort d'Aliou Cissé, mais est-ce que Aliou Cissé va enfreindre ses propres règles, c'est-à-dire chambouler sa sélection, est-ce que Aliou Cissé n'a pas fait. En tout cas Bouna Sarr aussi c'est un joueur qui est talentueux vraiment au poste de latéral, c'est un latéral qui est offensif, qui donne des passes décisives, gis nañ ko OM Nim les monter pour donner donc une passe en retrait à Benedetto qui a égalisé pour l'Olympique de Marseille, gis nañ aussi face à Lille de Fomone Marseille, Bouna Sarr modem créer penalty bi, donc quand même Bouna Sarr donc en dépit des considérations France le bougon foule et tout wax mo considérations, donc sportivement donc Bouna Sarr peut apporter un plus à l'équipe nationale sénégalaise. Est-ce que Aliou Cissé va chambouler sa défense en convoquant Bouna Sarr ou bien même donc Mala Sarr, les deux Sarr dans la défense des Lions du Sénégal, est-ce qu'on verra les deux Sarr convoqués face à la Guinée-Bissau? En tout cas on attend Aliou Cissé le grand boss. Donc je rappelle, nous on ne peut que proposer, que faire nos analyses, mais c'est à Aliou Cissé que revient le dernier mot. Donc en tout cas, nous allons Aliou Cissé, est-ce qu'il nous convoque Bouna Sarr à droite, Mala Sarr à gauche, en tout cas, ça aura une fière allure. Donc n'oublions pas que Sabali aussi, c'est un bon latéral droit, mais c'est un bon latéral gauche aussi, mais il faut se dire qu'il faut avoir des joueurs, donc à la hauteur des joueurs de qualité, en cas de défense, de suspension ou bien de blessure, nous pouvons remplacer. Parce que abondance de biens ne nuit pas. France, on a Benjamin Mendy, on a Lucas Hernandez, Lucas Digne, Théo Hernandez, Fernand Mendy. Donc il y a beaucoup de joueurs qui postulent au poste de latéraux au niveau de la France. Donc, joueurs, il y a lors des compétitivités, donc niveau de gagner. Donc, Aliou Cissé, est-ce que nous allons convoquer Mala Sarr et Bouna Sarr face à la Guinée-Bissau? En tout cas, on attend donc la liste des 23 Lions. Pour la Guinée-Bissau, donc Gane Ndiaye, Warul T, Warul Ragal, ñaari Sarr yoy essene ñu équipe nationale, may xaar sen réponse en commentaire. Gal Ba SNC c'est première sélection en équipe nationale du Sénégal. En tout cas, mu ngi dans le viseur de l'équipe nationale du Sénégal, parce que avec la blessure d'Alfred Gomis, on a Edouard Mendy, Abdoulaye Diallo comme deux seuls gardiens actuellement en équipe nationale du Sénégal. Actuellement, ñu cherche un troisième gardien pour remplacer Alfred Gomis. Ban gardien mo ñu nane Bingrou Camara, Kobali Ndiaye, mais il y a un gardien qui est ici au Sénégal, Atteng FC, leader du championnat, qui a encaissé 6 buts en 12 matchs. Donc Ba Assane Cissé est bien donc suivi par Aliou Cissé. Est-ce qu'il n'a pas essayé? On attend de voir, mais quand même ce qu'on voit, on a une grande fierté, un grand certificat pour le football local sénégalais, parce que par exemple, donc Ba Assane Cissé serait bien récompensé de sa belle saison avec Tenir FC, et moi vraiment d'accord pour nous, parce que ça sera donc un bon résultat, donc une satisfaction pour le football local. Mettez-le à contentement pour le football local Ba Assane Cissé, dans l'équipe nationale du Sénégal. Actuellement, c'est le meilleur gardien du championnat sénégalien, donc Ba Assane Cissé, première sélection, mais on peut se rendre à d'autres retours Mbaïna, de retour en équipe nationale du Sénégal, parce que face à l'Eswatini, Géoul, il était rentré pour blessure. Face au Brésil, il n'a pas joué. Donc Mbaïna, sur les trois derniers matchs, il n'a pas été prépondérant. Face au Congo, à Thiès, Dougne remplaçant à 5 minutes de la fin. Donc Mbaïna, on attend un retour du grand Mbaïna qui a marqué donc avec Rennes hier, donc face à Saint-Étienne en demi-finale de la Coupe de France. Donc ils ont été éliminés. On aura une finale Gana Gueye à Saint-Dussé en Coupe de
France, donc gis nañ né aussi benen retour lañ xaar moy Diaba Dakar mom aussi gën nañu dernièrement il a été dispensé il a été exempt parce que Diabra mo doon agouché mu dem assisté wo bon ça aussi c'est une bonne chose parce que donc doom mo doon djuddu c'est normal que mu dem donc féké djuddu doom mais on attend un retour aussi de Diaba Dakar donc Mbagna et Diaba Dakar pour être de retour dans l'attaque des Lions du Sénégal même si Diaba Dakar ba légui retrouvé goul son véritable donc rythme. Donc ça, son véritable niveau qui était le sien avec la Légion de Rome lors de la CAN 2017, on attend le retour du grand Diaba Dakar. Il doit se démener, marquer des buts, donner des passes décisives et être titulaire indiscutable à Monaco. Sinon, Diaba Dakar risque de perdre sa place en équipe nationale du Sénégal. Parce qu'actuellement, l'équipe de Fakhat, Ismaël Sarr, il est titulaire indiscutable, mais Diaba Dakar, il est concurrencé par Sarr Diouf et les jeunes Lions qui arrivent derrière. Donc attention Diaba Dakar, il faut se relever et retrouver ton meilleur niveau. En tout cas, Mbagna et Diaba Dakar sont donc bien pressentis pour un retour en équipe nationale du Sénégal face à la Guinée-Bissau. Et on attend la première sélection de Baye Assane Cissé, meilleur gardien du championnat local. Donc, ami, parcours. Aliou Cissé, Cissé Ngari.